Sport 24. Africa Sport 24. Ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. N'i ko Africa Sport 24, a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24. Ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan. Min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tungara fɛ. Africa Sport 24. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir aux spectateurs de Africa Sport 24. Bienvenue sur notre plateau pour ce grain des aigles spécial Eric Sekouchel, hein, pour la première liste d'Eric Sekouchel qu'on va décortiquer ensemble. Hein. C'est Ibrahim Tunkara en compagnie aujourd'hui du coach Diko et de Souleymane Koulibaly dit Soulé National. Ça va bien, Soulé? Je vais bien, Ibrahim Tunkara. Ibrahim aussi, bon, moi c'est national, toi tu es international. Non, on va t'appeler Soulé National parce que tu as entraîné les aigles du Mali. Tu as entraîné nos juniors, donc tu as eu tes galons. Ou bien, dis quoi, il a ses galons d'entraîneur, non? Ah ben, il a tout. Il a tout. C'est ça, tu es allé. De toute façon, allé, quand même, il a les épaules pour. Il a coaché un match, un match international. Trois matchs. Il voilà. A été sur le point, il a coaché. Donc, c'est un entraîneur. On va ouvrir intégrer le nouveau staff alors. Bon, mentalement, je ne suis pas prêt d'abord. Et je n'ai pas encore ce niveau. Non, ça quand on part au combat, il faut être toujours prêt. Ça va venir. Ça va venir petit à petit. Inch'Allah. Oui, donc aujourd'hui, c'était un grand jour hein, pour le football malien, les aigles du Mali. Hein. C'était la première fois que les Maliens avaient Eric Sekouchel en tant qu'entraîneur en conférence de presse. C'est vrai qu'on l'a connu comme joueur, défenseur de cette équipe nationale du Mali. Hein. Donc aujourd'hui, c'était sa grande première. Il est arrivé hier à Bamako. Il a été accueilli par les supporters maliens. Il y a beaucoup, ce qu'on peut dire avant de rentrer même dans la liste, on peut dire qu'il y a une grande ferveur des supporters maliens par rapport à l'arrivée de Eric Sekouchel à la tête de la sélection nationale. Oui, Ibrahim, on salue tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent actuellement, nos followers. Voilà, nous les remercions encore de nous suivre à chaque fois qu'ils prennent le temps de nous suivre. Et nous leur disons aussi de ne pas oublier de partager l'émission en direct et de mettre beaucoup de cœur. Alors, pour ta question, je dirais déjà, comme toi-même tu le sais déjà, le Malien, naturellement, est passionné du football. Voilà, donc on attendait ce moment avec impatience. Voilà, donc quand il est arrivé à l'aéroport, voilà, nous-mêmes, à notre surprise, on a vu des gens qui ont floqué des maillots et des t-shirts, je voulais dire, voilà, en son nom, et des Sekouchel. Voilà, soyez les bienvenus. Donc, bienvenue chez toi. On savait de la ferveur qui était là déjà, à côté de ce sélectionneur-là. Donc, les Maliens l'ont prouvé une fois de plus. Voilà, qu'il compte sur lui. Maintenant, la balle est dans son camp maintenant. C'est à lui maintenant d'amener le Mali là où les supporters estiment. C'est quoi? D'abord, la première rencontre à Bamako ici, de tout faire, d'avoir la victoire contre le Congo. Peut-être qu'on va arriver en avant. Mais en tout cas, je sais que lui-même, il était très, très heureux, très content quand il a vu ses supporters-là. Parce que cet après-midi, lors de la conférence de presse, il a annoncé qu'il était vraiment très content d'avoir occupé ce poste de sélectionneur des aigles du Mali. On a senti effectivement une grande fierté hein, de la part d'Eric Sekouchel. Même beaucoup d'émotions dans les images qui nous ont été permis de voir hein, de l'aéroport. Alors, même aujourd'hui dans sa conférence de presse où il était dans son bazar, hein, Made in Mali, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire quelque chose. C'était vendredi et il était l'imam aujourd'hui. Voilà, il était l'imam aujourd'hui. On sent que c'est un peu quelque chose qu'on avait déjà senti sous l'ère Mohamed Marasouba. Hein. Et c'est un peu l'avantage d'avoir un sélectionneur malien, c'est parce qu'il y a un esprit patriotique dans la mission qu'il y a. On sent qu'il est là pour rendre sa famille fière. Il a fait notamment plusieurs fois allusion à son grand-père, à sa famille qui est à Madnekwa. Et vraiment, ça nous a. Ça, moi, je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui au Mali. Hein. Il y a des bons entraîneurs qui sont maliens ou d'origine malienne qui peuvent vraiment faire quelque chose pour l'équipe nationale. Souvent, on va prendre des entraîneurs expatriés qui viennent découvrir l'équipe. Aujourd'hui, Eric, dans sa conférence de presse, il dit justement ça fait 10 ans qu'il rêve d'entraîner cette équipe nationale.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment une consécration. On sent énormément d'émotions. Coach Dico, toi qui es aussi un entraîneur malien, est-ce que tu es fier de voir un compatriote prendre la relève et remplacer encore Mohamed Magasouba à la tête des élus du Mali? D'abord, bravo à vous deux, Souley Ibrahim, et bonsoir aussi à nos téléspectateurs qui nous regardent. Oui, je suis très ravi de sa venue, de voir réellement qu'on vient de prendre encore un autre Malien au niveau de la sélection, comme je le dis. Donc, nous voyons vraiment que lui-même, il était vraiment ravi, ravi d'être au Mali, ravi d'être au niveau de l'équipe nationale, pour qu'il puisse nous aider à apporter son expérience. Vraiment, moi, je suis vraiment heureux pour lui, heureux vraiment de le voir, heureux vraiment pour l'équipe nationale, que ce soit un autre Malien, quoi, donc, qui est là, surtout qu'il est un expatrié malien. Donc, qui a eu un peu d'expérience à l'extérieur, qui vient prendre l'équipe nationale pour qu'il puisse vraiment le faire monter en haut. Merci, Dico. Soulé, le coach est venu tardivement au Mali. Hein. Il y a eu beaucoup de fausses annonces. On l'attendait à l'aéroport. On avait souvent l'impression que c'était un voyage qu'il faisait à pied ou que c'était le Sotrama à Paris, Bamako qui prenait. Hein. Tous les jours, on nous dit qu'il va arriver, il ne vient pas. Finalement, il y a eu une annonce officielle hein, qu'on savait déjà hein, qu'il avait donc contracté le coronavirus. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas voyager. Soulet, est-ce que la fédération aussi n'a pas eu un problème de communication à ce niveau-là en gardant ça sous secret, alors que bon, je ne vois pas vraiment de raison de cacher cela. Hein? Et bref, moi, je pense que je t'avais dit ça en off il y a quelques semaines, que j'ai eu l'information qu'il avait le COVID. C'est pour cela qu'il n'a pas pu faire le voyage. Voilà, lui-même, il a confirmé lors de la conférence de presse aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'était pas là si longtemps, même s'il a dit que voilà, la principale information est qu'il avait le COVID et après qu'il avait des petits soucis administratifs. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la Fédération malienne de football, au niveau du sport même en général, moi, je pense que nos dirigeants, l'information, le sens de communiquer, ils n'ont pas compris. Voilà, je pense qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, ça sera une répétition encore pour moi. Moi, je pense que l'un des meilleurs joueurs du monde, pour ne pas dire le meilleur joueur du monde, quand il a attrapé le COVID, on l'a dit, Lionel Messi. L'entraîneur de Arsenal, Mikel Arteta, quand il avait le COVID, on l'a dit, on l'a annoncé. Je pense que le COVID aujourd'hui, il ne faut pas qu'on le mystifie. On peut avoir le COVID et vivre 100 ans après. On peut avoir le COVID une semaine après et guérir. Mais moi, je pense que pourquoi toute cette tractation au niveau de l'information. Voilà, c'est un sélectionneur, vous l'avez nommé, vous l'avez choisi. Mais il a un problème. Voilà, vous l'avez dit, ils ont dit qu'il a des problèmes administratifs. Bon, on savait bien que la principale information qu'il a fait retenir en France, voilà, c'était la COVID. Voilà, donc c'était maintenant la fédération de communiquer, de dire aux gens, voilà, on a nommé telle personne, voilà, il ne sera pas là tel jour parce qu'il a tel problème, il a tel problème, il a tel problème. Mais vous vous limitez seulement à, voilà, il a des problèmes administratifs. Or qu'aujourd'hui, on sait que, ouais, c'est vrai, les problèmes administratifs peuvent arriver, mais la principale information, c'était le coronavirus. Lui-même, en conférence de presse aujourd'hui, il a signalé. Donc, je pense que la fédération, aujourd'hui, on doit quitter dans ce petit passage d'amateurisme qu'on évolue un peu. Comme ils l'ont si bien dit avec le doyen Djibril aujourd'hui, qui a parlé beaucoup de professionnalisme lors de la conférence de presse. Moi, je pense que lui aussi, il doit conseiller aujourd'hui, au niveau de la FEMA, il faut leur dire de quitter dans cet amateurisme-là, parce que j'ai l'impression que lui aussi, il est un peu avec la fédération. Je ne dis pas qu'il travaille pour eux, mais lors de la conférence de presse, on a senti un peu, voilà, ils veulent que les journalistes se professionnalisent et qu'on se met au même niveau que les sélectionneurs. On est d'accord, mais qu'il lui aussi conseille aujourd'hui à la fédération, voilà, qu'il arrête de traiter l'information comme ça, de nous donner l'information et la bonne information. C'est leur droit de nous donner de l'information. Et nous aussi, voilà, on a droit à cette information-là. Parce qu'il s'agit de l'équipe nationale. Ce n'est pas pour telle personne, c'est pas pour Ibrahim, c'est pas pour Dico. Voilà, c'est pour tout le monde. Mais quand il y a une information, il faut la donner aux gens. Vous voulez qu'on aide ce coach, vous voulez qu'on aide telle équipe, vous voulez qu'on aide l'équipe, mais vous-même, vous ne donnez pas d'information. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est ce qui a retardé Eric Sécouchel et qui est arrivé hier dans l'après-midi dans la capitale malienne. Merci Soulé pour ces précisions. Je pense qu'il y a une autre information aussi sur laquelle on n'a pas vraiment communiqué, c'est l'annulation hein, de ce troisième match que le Mali devait donc livrer face à l'Équateur hein, qui a été annulé. Donc finalement, ces deux rencontres, il y aura une à Bamako face au Congo le 4 juin
et une deuxième le 9 qui va se trouver jouer à Kampala, donc en Ouganda, face donc à cette équipe du Soudan du Sud. Voilà. Oui, Donc. Ibrahim, je pense que le troisième match qui devait être joué contre l'Équateur, la date c'était prévu le 11. Je ne peux pas Voilà, jouer c'était un peu. le 4 à Bamako, le 9 contre le Soudan et aller jouer encore le 11. Il n'y a que 2 jours d'intervalle. Voilà, 2 jours Oui, c'est d'intervalle ça. entre le deuxième match et le troisième match. Donc c'est pour cela, l'unique raison aujourd'hui, voilà, c'est ça. Même là. Est-ce qu'il y a, il y a une communication à travers la Fédération Non. malienne de football? Non, il n'y a pas eu de communication à travers cela. Il y a Donc voilà, la donc on communication. revient toujours à la même source, quoi. C'est ça, effectivement, ce problème de communication sur lequel vraiment les responsables sportifs maliens devront travailler, hein, parce que ça crée de la confusion, ça laisse place à la rumeur, et la rumeur, c'est jamais bon dans la gestion des affaires. Maintenant, il y a eu aussi une autre annonce, hein, qui a été faite par Eric Sécouchel, c'est qu'il n'a pas encore son staff, parce qu'il est toujours en négociation donc avec la fédération malienne et les responsables sportifs maliens. Lui dit vouloir mettre en place l'équipe la meilleure, hein, pour soutenir le football malien, mais jusqu'à présent, on ne lui a pas encore donné son staff. Sous les toits qui est un peu dans le tuyau des choses, qu'est-ce que tu as appris à ce niveau-là? Bon, la question lui a été posée, je pense que par l'un de nos confrères par rapport à la composition de son staff. Voilà, il dit que depuis qu'il a été nommé à la tête des Aigles du Mali, voilà, donc il a pensé à cela déjà, comment faire pour composer avec le staff. Mais en tout cas, ce qui est ressorti, pas de sa bouche, mais de la bouche du doyen Djibril Traoré, il dit que Richel a fait une confidence et en lui disant que il aimerait composer son staff 100% avec les Maliens. Donc, c'est l'information qui est là aujourd'hui. Mais auparavant, on avait eu l'information aussi, les rumeurs qui circulaient, que c'était l'autre Fanyiri Diarra qui sera son adjoint. Voilà, donc c'est l'unique information qu'on a pour le moment du côté du staff technique. En tout cas, chez moi, c'est l'unique information que j'ai pour le moment. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au premier match, jusqu'au jour J du match, voilà, peut-être qu'ils vont annoncer petit à petit. Et maintenant, la composition du staff technique. Moi, je pense qu'ils ne devraient pas tarder à nommer ce staff technique-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 20, on est à plus que 2 semaines maintenant du Moins de premier deux match, parce semaines, hein, que c'est le ouais, moins vendredi, je de 2 semaines. pense. Voilà, moins de 2 semaines, moins de 2 semaines. Donc, je pense qu'ils doivent accélérer et aller vite avec la composition du staff technique. Merci Souley Abdoulaye Dembélé qui nous a rejoint. Abdoulaye, bonsoir, tu vas bien? Oui, bonsoir, Ibrahim. Je vais très bien. Alors, satisfait un peu d'enfin de connaître le nom du sélectionneur et de le voir physiquement, hein, parce qu'à la fin, c'était devenu un mystère, cette attente interminable. Du public sportif malien, de voir enfin notre sélectionneur. C'est un moment de soulagement pour toi? Oui, c'était un très grand un moment de soulagement pour moi ainsi que le public sportif malien. Parce que depuis sa nomination, tout le monde attendait maintenant la venue du nouveau sélectionneur ici à Bamako. Bon, depuis hier, il est là. Bon, lors de la conférence de presse, il a souligné qu'il s'est entretenu avec les membres de la fédération. Aujourd'hui, il a communiqué la liste. Je pense que ça a venu maintenant. Ça a été une très bonne nouvelle. Et on attend maintenant de le voir sur le banc des touches lors des deux premières rencontres des éliminatoires. Merci. Souley, il y a une autre chose qui, moi, m'a marqué aussi dans cette conférence de presse, c'est que les premiers mots d'Éric Sékouchel ont été adressés à la presse sportive malienne. Quand on sait que, je ne veux pas critiquer hein, Mohamed Marasouba, qu'on salue Ça et a qu'on été fait. remercie On pour tout ce qu'il n'était fait. pas ensemble, Ibrahim. On n'était pas, il n'était Voilà. pas avec la presse. Voilà, c'était Voilà. ça que tu voulais pas dire. Contrairement, même, c'est ce que je voulais dire, je ne veux pas l'attaquer. Mais Ouais. son mandat a été un mandat où il y avait une relation particulièrement difficile entre le sélectionneur et la presse malienne, où à un moment, il n'y avait même pas de communication. Donc, le fait que Shell commence son premier discours en vraiment en saluant le travail que les journalistes abattent et en rappelant sa disponibilité, en insistant aussi sur le fait qu'il est ouvert à la critique, ouvert aux suggestions,
Est-ce que ce n'est pas un bon départ? On va dire ça, c'est un bon départ pour un entraîneur à la tête de cette équipe nationale du Mali. Qu'ils comprennent ça, en fait, Ouais. que la presse n'est pas Ouais. l'ennemi. Ibrahim, je pense que depuis qu'il n'est pas arrivé à Bamako, hein, quand il a appris qu'il est nommé sélectionneur réserve du Mali, il a signalé à dire, j'ai dit, bon, la première interview que je vais donner, ça sera avec la presse malienne. Voilà, donc nous, là, c'est un sentiment de fierté quand on entend notre sélectionneur dire cela. Parce que nous, on pense que là, déjà, on est considéré par ce sélectionneur-là. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé aussi, voilà, lors de la conférence de presse, il a lui-même, il a souligné encore, voilà, je n'ai pas voulu donner d'interview à la presse étrangère, j'ai voulu donner la première info à la presse malienne. Voilà, je sais que ce sont ces mots, je sais que le travail que vous abattez, vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe nationale. Même, il y a le troisième vice-président de la Fédération malienne de football qui a si bien dit, lors de la conférence de presse, il dit vraiment, lui, il est très satisfait du travail des journalistes. Il a dit, vous connaissez bien les joueurs, vous connaissez bien votre équipe nationale, vous suivez beaucoup aussi les Maliens, les joueurs maliens qui évoluent en SRL, parce qu'on a donné des détails, beaucoup de détails ont été donnés. Voilà pourquoi tel joueur n'est pas là, pourquoi tel joueur est blessé là-dedans. Voilà, donc c'est des informations qu'on a données. Donc je pense que nous, quand je parle de nous, je parle de la presse sportive et la presse malienne en général. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Voilà, avant d'être journaliste, on est supporter numéro un de l'équipe nationale. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Mais à un certain niveau, voilà, quand nous aussi, on se sent considéré, voilà, nous aussi, on va apporter notre soutien à cette équipe nationale. Ce n'est pas pour Shell, ce n'est pas pour la Fédé, ce n'est pas pour le département C'est des pour le sports, mais Mali. pour le Mali. Voilà, nous, on le fera pour le Mali, sans défection. Tout ce qu'on pourra faire, on le fera pour aider Eric Shell pour qu'il puisse avancer. Parce que quand lui, il avance, c'est le Mali qui avance. Quand le Mali avance aussi, Effectivement. nous aussi, on est très fiers. Voilà, que notre pays aussi a avancé. Donc, déjà, sa prise de contact avec la presse, déjà, moi, je pense que déjà, il a marqué un point. Ça, c'est très vrai. Coach Diko, il y a eu aussi une déclaration hein, d'Éric Sékou Chèle qui, qu'on le rappelle, a été le troisième joueur de couleur à porter le brassard du FC, du Racing Club de Lens. Après Rigobert Song Oui. et Seydou Keita, c'était un C'est joueur qui n'était pas connu pour sa technique, mais qui avait vraiment un tempérament de guerrier, qui était un meneur d'hommes. Et aujourd'hui, il l'a rappelé, il a dit qu'il veut que les joueurs maliens jouent comme lui-même il jouait au football, c'est-à-dire que ce soit des joueurs qui se battent et qui mouillent beaucoup le maillot sur le terrain. Ce petit jeu technique, naturellement, on aime au Mali, qu'il faut qu'on laisse ça par moments et un football plus direct et plus conquérant. Coach Diko, est-ce que c'est des paroles qui, pour toi, en tant qu'un entraîneur, t'ont séduite? Non, je crois que ce qu'il a dit par rapport à ça, moi je crois que c'est une très bonne chose. Parce que là où on est actuellement, moi je crois que c'est ce que l'équipe malienne avait besoin. Parce que nous avons un fond de jeu qui est déjà là, donc qui a été installé par l'ancien staff technique. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui seront changées là-dedans. Vous avez vu avec la liste qu'on va juste venir décortiquer dans peu de temps. Par rapport à cette liste-là, il faut savoir réellement ce que le coach veut faire. Donc moi, je crois qu'il a su bien comprendre les problèmes de l'équipe nationale, ce qui n'allait pas surtout au niveau attaque, parce qu'il sait que défensivement, il tenait les rênes. Donc, avec la position de ballon sur lequel le Mali se basait, donc il fallait mener un autre ingrédient qui est aussi, c'est-à-dire aller sur des attaques rapides, avoir la possession, faire le pressing, c'est ça la arme. L'arme de jeu, cela veut dire que c'est d'attaquer l'équipe adverse dans son camp et de défendre dans le camp adverse. Cela nous permettra, c'est-à-dire, d'avoir plus la balle et d'attaquer au plus vite. Donc, moi, je crois que c'est ça qu'il va, il va, il va, il va, il va essayer de se baser sur ça, quoi. Donc, ça sera ces ingrédients-là qu'il va pouvoir entamer, pouvoir essayer de les mettre en œuvre avec les gens qui viennent d'amener. Donc, moi, je crois que comme on dit, il faut du temps. Il faut du temps pour proposer tout ça là. Il faut du temps pour changer. Voilà. Donc, comme on l'a dit, comme il l'a dit aussi, je crois qu'il y aura un changement de système. C'est-à-dire, le changement de système sera basé par rapport au milieu qu'on a pour le mettre en œuvre. Parce qu'on a les meilleurs milieux d'Afrique. Donc, vous savez qu'au Mali, il n'y a que des milieux de terrain. Donc, les autres postes là sont un peu
un peu vacant par rapport au milieu de terrain. Si on dit qu'il y a les gardiens, il y a les défenseurs aussi. Non, hein. Mais il n'y a pas d'où qu'il n'y a pas, mais on a non, une équipe. Non, le côté fort. Vous avez bien, bien gardé. Vous avez la force d'une équipe. La force d'une équipe, c'est quoi? C'est les éléments que vous possédez par rapport au poste. C'est avec ça que vous pouvez, comment dirais-je, mettre un système tactique en place. Donc, il a si bien compris, comme auparavant, Ibrahim disait, non, il y a des gens qui disaient aussi, pourquoi on ne joue pas en 4-4-2? Voilà. S'il sait que réellement... Il a parlé de ça, mais il a parlé aujourd'hui de voilà. Ça. Il dit qu'il va jouer en 4-4-2. Mais attention, oui, Ibrahim. Mais attention, il dit... 4-4-2, losange, mais il dit... Je vais vous... Il dit qu'aussi, s'il te plaît, 3 secondes seulement, mais je vais vous donner des fausses informations pour que vous véhiculez. C'est ça, ouais. Donc, il faut faire très attention. Ouais. Voilà, Dico. C'est ça, je pense qu'il est rusé. Il est j'ai rusé. Bien compris. Voilà. J'ai bien compris parce que, vous savez, il veut, moi, ce que j'ai dit, il veut mettre ce milieu-là en œuvre. Vous savez, avec le milieu de terrain qu'on a, il faut changer de système de jeu. On est carrément d'accord sur ça. C'est ça. Pour qu'il parvienne, ça veut dire on va venir en détail sur les talons-là. Donc, je crois qu'il faut passer par là. Je pense qu'on va revenir voilà. Sur les étapes, les détails tactiques. En attendant, on va couvrir un peu la liste hein, aussi. Hein. Donc, elle a été publiée aujourd'hui. Je ne sais pas si voilà, les gens voient en défilé aussi en bas cette liste. Hein. Donc, comme gardien, c'est les habitués. Hein, Bozo Mukoro, Ismaël Diawara, Djiki Diarra. En défense, on a Amari Traoré, Almami Touré, Massadio Aïdara, Amadou Dante, Nojo Fofana, Kiki Kouyaté, Moussa Sissako et Falaï Sako. Au milieu de terrain, Mohamed Kamara, Djadje Samasekou, Aliou Dieng, Yves Bissouma, Amadou Aïdara et Lassana Koulibaly. En attaque, Moussa Djenepo, Adama Malouda, Abdoulaye Diaby, Ibrahima Kone, Sekou Koïta, El Bilal Touré, Khalifa Koulibaly et le joueur du Djoliba, Amidou Sinayoko. Donc, ce sont les 25 joueurs donc, qui ont été appelés par... Eric Sekouchel, nouveau sélectionneur du Mali. Abdoulaye Dembélé, tes impressions donc sur cette liste? Bon, déjà, sur la liste, moi j'ai été d'abord étonné de la sélection de Djenepo. Parce que tout le monde sait bien, depuis son retour à son club, il n'a pas assez de temps de jeu. Je peux dire qu'il ne figure même plus sur la liste. Mais la grosse surprise pour moi, ça a été la convocation de Amirou Sinayoko, du Djoliba AC. Ça a été la grosse surprise, vu qu'on a des attaquants qui évoluent en Europe, en Asie, qui marquent des buts. Voir un attaquant malien, ça encourage aussi beaucoup les championnats. C'est pour dire que déjà le championnat évolue. Mais je pense que ces choix, je me suis posé la question, est-ce que c'est un choix du coach? Est-ce qu'il y a une idée du championnat malien? Comment est-ce que Sinayoko s'est retrouvé sur la liste? Ce sont des questions dont je me suis posé. Mais encore, il y a Sekou Koïta qui revient. Sekou Koïta qui a été longtemps écarté des terrains à cause d'une blessure des ligaments croisés. Il a signé aussi son grand retour. Bon, déjà, le coach, il sait le talent de Sekou. Parce que là, aujourd'hui, à la conférence de presse, il a souligné que c'est un joueur qui peut éliminer des joueurs dans une cabine téléphonique. Déjà, Sekou, tout le monde sait son talent. Mais pour moi, la grosse surprise, ça a été celle de Amirou Sinayoko qui évolue ici au Djoliba AC. Merci Abdoul Dembélé. Sinon, quand on prend maintenant les autres postes, déjà défensivement, on a les cadres au milieu du terrain, on a les cadres en attaque. L'attaque sera animée aussi par des joueurs qui ont l'expérience de la sélection nationale. Merci beaucoup Abdoul Dembélé. Souley Koulibaly, cette liste globalement, ça reste dans la continuité de Mohamed Magasouba. Il n'y a pas eu énormément de changements. Et c'est les mêmes joueurs qui sont revenus, les mêmes cadres de la sélection, qu'ils aient du temps de jeu ou pas. Qu'est-ce que cela démontre en fait de l'idée aussi, de la philosophie de Eric Schell par rapport à l'équipe nationale? Et bref, je pense que ce soit Schell ou bien un autre entraîneur qui allait prendre les commandes des Aigles du Mali, la personne allait se baser forcément sur l'ossature qui a été laissée par Mohamed Makassouba. Quand je dis laissée, voilà, c'est parce qu'il a quitté. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, l'ossature allait se baser sur cela.
et c'est basé sur cette ossature-là. Mais moi, je vais prendre compartiment par compartiment. Si on prend aujourd'hui les trois gardiens de but, Ibrahim Boussou Moukouro, Ismaël Diarra Diawara, Djiki Diarra. Les deux premiers gardiens aujourd'hui, ils ont des soucis avec le club. Je vais parler d'Ibrahim Moukouro avec le tout-puissant Mazembe qui n'a pas assez de temps de jeu. Ismaël Diarra Diawara avec Malmo aussi, c'est pareil. Le seul qui joue aujourd'hui comme titulaire derrière son club aujourd'hui, c'est Djiki Diarra. Voilà. Donc, est-ce que pourquoi ne pas penser à d'autres gardiens de but aujourd'hui qui évoluent et qui jouent aujourd'hui? Je vais prendre un seul exemple, le gardien de but Ali Rango qui a été champion avec son club. Voilà, je laisse Et les qui a gens juger. encaissé très peu de buts, hein, qui a encaissé très, très peu de buts en. Je voulais dire très peu de buts aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, notre championnat, c'est la 24e journée aujourd'hui. 24e journée aujourd'hui On de a notre championnat. débuté la Voilà. 25e journée. Voilà. La 25e journée vient de commencer aujourd'hui. Je pense qu'il y a Amadou Sinayogo. Après, je vais en revenir. Excusez-moi, je crois Il y a de que très j'ai bons répondu. gardiens qui évoluent aujourd'hui au Mali, qui n'ont pas eu cette chance de participer avec cette liste. Maintenant, au niveau de la défense, je pense que déjà, si on prend les joueurs au niveau de la défense, j'ai une seule petite remarque. Je Ça, c'est crois que le cela est un retour problème de réseau. de l'un des capitaines de la sélection. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, on t'entend très Bon, bien. oui, Voilà, je maintenant, pense mais que. bon, au début, il y avait un problème de réseau. Donc, il faut Ok, que, si tu d'accord. peux recommencer pour que les gens comprennent, ce sera bien. J'ai dit, voilà, j'ai dit au niveau de la défense, on a le Non, celui-là, retour on de. t'entendait. Nous, on t'entendait. C'est Dico qui ne t'entendait pas, mais là, le Ok. public t'entend. J'ai dit Ah. au niveau de la défense, on a le retour de Faleye Sakho, qui était de blessure, que nous souhaitons prompt rétablissement. Lui aussi, ici, son retour aujourd'hui dans l'axe central avec l'équipe nationale aujourd'hui. Lui aussi, il n'a pas assez de temps de jeu si on prend ses derniers temps aussi. Il y a un jeune défenseur qui évolue du côté de Malaga, Moussa Diarra. Peut-être que le public ne le connaît pas. Il vient de l'académie, Derby Academy. Il a été formé au CF Daoula. C'est un défenseur central, grand détail. Aujourd'hui, il y a l'autre aussi qu'on a invité il n'y a pas très longtemps aujourd'hui, du côté de la Belgique, Ibrahima Cissé, qui est passé de l'autre côté avec l'Eintracht Francfort. Je pense qu'on devrait penser à eux aujourd'hui aussi, au niveau de cette défense aujourd'hui. Sinon, à part ça, il y a Nojo qui est là, il y a Boubacar Keki Kouyaté qui est là, et c'est les patrons de la défense. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, si on prend aujourd'hui, je pense que c'est là même où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau du milieu de terrain, il y a Amadou Aïdara, voilà, qui lui aussi, qui est parmi, qui est sur cette liste-là. On sait qu'il n'a pas assez de temps de jeu avec son club de Red Bull, Leipzig. Il y a Faleye Sakho, j'ai dit Sekou Keita, qui revient d'une blessure des ligaments croisés. C'est vrai, il a joué la semaine passée avec son club qui est de l'Autriche. Voilà, lui aussi, c'était son premier match. Voilà, il est sélectionné. L'entraîneur l'a dit. Voilà, quand si on les met dans une cabine téléphonique, il pourra dribbler n'importe qui, comme avec Moussa Dienepo, il a dit ça. Donc, il a confiance en eux. Voilà, lui aussi, ici, c'est un retour. Mais aujourd'hui, Ibrahim, avec moi aujourd'hui, ce que le jeune Camoré Doumbia est en train de faire, ce qu'il a fait avec l'équipe réserve et ce qu'il est en train de faire avec l'équipe première aujourd'hui, je pense qu'à ce poste-là, il mérite cette place-là. Parce que l'équipe nationale, pour moi, c'est des joueurs qui ont du temps de jeu. Maintenant, Moussa Dienepo, n'en parlons pas avec Southampton. Ça faisait plusieurs mois aujourd'hui qu'il n'évolue pas avec Southampton, même si la dernière journée, il était convoqué, il était sur la liste, mais il n'a pas évolué aussi avec Southampton. Lui, aujourd'hui, à son poste, moi, je connais à peu près deux joueurs. Oumar Traoré Ndiéfi, qui évolue aux Émirats Arabes Unis. Lui aussi, il joue ce même poste-là que lui. Il y a l'autre, Demba Diallo, qui évolue en deuxième division en Turquie, qui est titulaire aussi avec son club aujourd'hui. Lui aussi, il joue à pratiquement le même poste. Pourquoi ne pas appeler ces jeunes-là et leur donner leur chance aussi? Maintenant, du côté des gardiens de but, j'en ai déjà parlé. Donc, c'était là, moi, mes petites remarques par rapport à la liste. Est-ce qu'aujourd'hui, Eric Séguéchal, qui veut nous apporter du bien, qui veut nous faire oublier aujourd'hui ce que l'ex-entraîneur faisait? C'était quoi quand je veux dire? Il avait appelé à un certain moment Moussa Doumbia Chico, qui ne jouait même pas avec son équipe nationale. Son club, Reims, il avait appelé. Est-ce que c'est sur ce chemin qu'on est en train de continuer? Est-ce qu'on va avoir du nouveau avec Eric Séguéchal? Moi, je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai vu la convocation de certains joueurs sur cette liste. Non, je vais le dire parce que je ne le dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais quand ils n'ont pas assez de temps de jeu, il faut donner la place à ceux qui ont le temps de jeu.
La sélection d'Amiri Sinayogo, c'est vrai, ici, son retour, parce qu'il était déjà là. Il a 36 ans ou 35 ans aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Voilà, l'âge, ça ne veut rien dire au football aujourd'hui. Vincent Boaka l'a prouvé avec nous quand on était au Cameroun. Cristiano aussi continue de le montrer voilà, en Europe. Il continue de le montrer aujourd'hui. Mais pour un attaquant, moi, je prends, si vous devrez prendre un attaquant au Mali qui évolue dans le championnat malien aujourd'hui, vous prenez le meilleur buteur Ibrahim. Le meilleur buteur aujourd'hui, c'est le joueur, ou bien c'est parce qu'il a évolué avec l'USBO. Il a 10 buts, c'est un jeune, il a 18 ans. On a vu Kylian Mbappé, quand il venait aujourd'hui avec l'équipe de France, il n'avait pas passé ce cap-là. C'était avec ses 17-18 ans qu'il est venu avec l'équipe nationale. Donc, il faut leur donner leur chance, il faut les encourager. C'est vrai, quand on voit aujourd'hui Amiri Sinayogo avec l'équipe nationale, ça donne aussi de la valeur au championnat malien. Comme je l'avais si bien dit la dernière fois, j'ai dit ce championnat mérite que ses joueurs participent à l'équipe avec l'équipe nationale. On a vu Amiri Sinayogo, on est très content. Mais moi, sincèrement, aujourd'hui, si vous me demandez de sélectionner un joueur, surtout au niveau de l'attaque, moi, j'aurais pris le meilleur buteur, Moussa Kone de l'USBO. Je l'aurais préféré que Amiri Sinayogo Ibrahim. Merci beaucoup. Ibrahim, j'aimerais ajouter quelque chose. Vas-y. Oui, déjà, Soule a parlé des critères de sélection. Déjà, aujourd'hui, lors de la conférence de presse, Eric a souligné ce point. Il dit dans les jours à venir qu'il va définir les critères. Je pense que cette liste, je ne peux pas dire que ça a été fait à la hâte, mais ça, c'est une liste qui a été faite, elle est là. Bon, il n'a pas pu nous décortiquer la liste comme Soule vient de le faire, compartiment par compartiment. Déjà, il dit que dans les jours à venir, il va nous définir maintenant les critères pour qu'un joueur soit sélectionnable avec l'équipe nationale du Mali. On attend maintenant ces critères. Merci beaucoup, Abdoul. Moi, je vais donner la parole à Dico. Mais avant de rentrer dans ces détails, je vais donner un peu mon point de vue. Je pense que cette liste, tout le monde sait un peu le contexte qu'il y a eu. Hein. Le coach vient d'être nommé. Il a été nommé trouvant qu'il était malade. Donc, c'est lui aussi sa première sélection. Hein. Il est tout nouveau à la tête de l'équipe nationale. C'est difficile de changer un groupe quand toi-même tu découvres l'équipe nationale, d'autant plus qu'on aura très peu de temps avant notre premier match, qui est le 4. Hein. Donc, il ne va faire lui-même que quelques jours avec son groupe. Donc, c'est un peu compliqué d'intégrer de nouveaux joueurs. Moi, je pense que c'est là où je vais devoir faire la transition à Coach Dico. Coach Dico, tu es entraîneur. Est-ce que c'est des fois pas évident d'intégrer beaucoup de joueurs dans un groupe que toi-même tu découvres? Donc, est-ce que quelque part, nous, on est supporters, on veut voir beaucoup de changements, on veut voir des joueurs qui sont en forme. Mais la réalité du football, c'est souvent la continuité, hein, n'est-ce pas, coach? Bien sûr que la réalité du terrain, c'est la continuité. Donc, amener trop de changements au niveau d'une équipe, ça c'est quelque chose qui va peser sur vous. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour avoir un résultat défini. En même temps, ça veut dire que vous ne suivez pas la continuité de ce que vous voulez faire. En fait, vous vous posez des questions. Ce que nous disons auparavant, c'était ça, avec Magasuba. C'était ça. À chaque fois, il fallait intégrer ça des nouveaux venants. On a vu contre la Tunisie, qu'il y avait combien de joueurs? Il y avait cinq nouveaux joueurs qui étaient au niveau de l'effectif. Il y avait eu cinq changements au niveau des 11 de Magasuba contre la Tunisie. Donc, posez-nous la question, est-ce que si on fait ça, est-ce qu'on va pouvoir apporter ce qu'on veut? On dit tout le temps qu'il faut une équipe ou il faut une continuité. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne dans le sport. C'est comme ça. Mais moi, bon, par rapport à cette liste-là, moi, nous savons tous comment cette liste a été faite. Moi, je ne peux pas dire tout simplement. Soule le sait. Abdoul, toi, tu le sais. Ibrahim Tougara, tu le sais très bien pour cette liste-là. Nous savons comment ça a été fait. Donc, le coach l'a assumé. C'est sa liste. Il a assumé. Voilà. Soule, on sait Soule. Que cette liste. Quand on prend. On... Attends, Abdoul, il faut. Je ne peux pas dire autre chose Soule, que le coach même a dit. Je vous comprends. Oui, quand même, Soule, il a assumé. Le coach va le dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le coach va assumer. Mais comprends que nous ne sommes pas, ça veut dire, des amateurs dans ce genre de trucs. Il faut comprendre. Quelqu'un qui vient de. Comment on appelle? Vient de quitter sous un Covid, qui n'a même pas eu le temps de préparer son staff technique, comment il va pouvoir mettre une liste en place? Mais de toute façon, je ne veux pas polémiquer par rapport à ça, quand je crois qu'on va laisser ça entre parenthèses. Mais il y a des hic qui sont là. Il y a carrément des hic.
comme tu viens de le citer tout de suite, Souley, il y a des gens qui sont là, qui sont carrément blessés, qui viennent de blessure, et d'autres qui n'ont pas de temps de jouer. Moi, je dis tout simplement qu'il faut des critères de sélection, mais le critère de sélection, ça vient avec un projet de jeu. Est-ce que vous comprenez? Ces critères-là, il faut les définir dès le début, avant de prendre une équipe. Mais comme tout a été fait à la hâte, on ne peut pas mettre là où on est actuellement des critères de sélection. Sinon, nous savons tous que tous ceux qui sont là, la plupart, on peut dire 50% de ceux qui sont là ne méritent pas d'être en sélection. Mais c'est le Mali. Bon. Voilà, c'est le Mali. Quoi. Ibrahim, moi, je... Donc, Ibrahim je s'il te plaît. Non. C'est dit quoi, frère? Moi, j'aimerais... Juste, d'accord. Dis quoi, si tu as fini, je vais laisser Ibrahim, sur les... Voilà, donc, juste pour vous dire, Ibrahim, laissons au coach un peu de temps de s'installer, oui. De connaître, ça veut dire, de connaître d'abord ce qu'il y a au niveau du Mali, de voir les problèmes qu'il y a, si vous comprenez, de voir les solutions qu'il peut apporter à ces problèmes. Maintenant, quand il y aura le temps de se bien installer, de faire le diagnostic de cette équipe, ce qui peut apporter comme changement, là vous allez voir ce qu'on verra après. Voilà, mais pour le moment, on peut rien dire par rapport à cette première sélection. Donc, parce que c'est pas la, je dirais tout simplement que c'est pas la même mise. C'est ça, ouais. D'accord. Donc, quand vous n'avez pas la même mise sur un truc au début, donc il faut attendre. Voilà quoi. Mais tout compte fait, on souhaite remporter cette première match. Je vais te donner la parole. Une minute, je vais répondre d'abord à beaucoup de questions du public sur l'absence des deux Doucouré. Donc, par rapport à ça, le coach a dit qu'il y a Cheikh Doucouré qui est en instance de départ de Lens. Donc, il est en négociation de contrat et il préfère pas prendre des joueurs qui sont pas 100% concentrés sur la sélection. Et le deuxième Doucouré, donc, qui est Abdoulaye Doucouré. Son absence est due au fait qu'il joue sous infusion, sous perfusion du moins, sous inflammation, pardon. Non, dit qu'il ne se sent pas bien seulement. Voilà, donc par rapport à ça, le coach a préféré ne pas prendre le risque et laisser le joueur se soigner avant de revenir en sélection. Donc c'est ça les précisions qu'on a. Donc on va laisser Ibrahim, je voudrais rebondir par rapport à la question que tu as posée à Dico, voilà, pour la continuité. Moi, Souley, je suis d'accord pour la continuité. Hein. Je l'ai bel et bien dit il y a un ou deux mois de cela. J'ai dit, même si je viens de le dire ce soir, j'ai dit que ce soit Shell ou l'entraîneur qui sera là, il sera obligé de composer avec l'ossature qui était là avec Makassouba. Moi, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord avec vous pour la continuité. Mais dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, si tous ces joueurs-là étaient blessés, on allait continuer avec eux ou bien qu'ils avaient un seul match sous les jambes? On ne pouvait pas. Bon, aujourd'hui, il faut nous dire, le Mali ne se limite pas uniquement à ces joueurs-là. Il faut qu'on se le dise ça. Il y a des joueurs qui évoluent au Mali, il y a des joueurs en extérieur qui jouent pour être sélectionnés aujourd'hui avec l'équipe nationale. Et ils le méritent aussi. Et moi, je pense que c'est vrai, vous avez dit aujourd'hui, voilà, peut-être qu'il n'avait pas la même mise, il vient de commencer son boulot, mais il a dit, il suit cette équipe depuis plus de 10 ans. Il suit le football malien aujourd'hui. Donc, il sait où aujourd'hui et tel joueur se trouve à tel côté, et tel joueur se joue à tel côté aujourd'hui, il le sait déjà. Donc, pour cela, moi, je pense que ces joueurs qui reviennent de blessure, ils ne méritent pas cette sélection. Moi, je le dis et je l'assume. Voilà, il y a plus de jeunes joueurs aujourd'hui, plus d'autres joueurs aussi qui sont plus matures aujourd'hui, qui n'ont pas été sélectionnés avec cette équipe nationale, or qu'ils les méritent. Maintenant, s'ils reviennent en leur forme, Amadou Aïdjara, aujourd'hui, quand il joue avec son club aujourd'hui, personne ne peut pas faire une liste du Mali sans le convoquer. Et Moussa Djenepo, pareil, quand il est en forme, quand il joue avec son enfant, tu ne peux pas faire une licence de convoquer. Mais quand ça ne va pas, il faut reconnaître que ça ne va pas aujourd'hui. Oui, mais faut pas qu'on se limite uniquement à ces joueurs-là pour dire que voilà, c'est une continuité. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir Drissa. On va te donner la parole, mais je rebondis rapidement. Il y a 25 joueurs qui sont sélectionnés, mais en réalité, il n'y a que 11 joueurs qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est des joueurs, il y a la méforme dans le football. Mais c'est la première liste d'Éric Sékouchel dans un groupe qui vit ensemble depuis bientôt 5 ans. Tous ces joueurs-là, ils sont en équipe nationale depuis près de 5 ans. Et c'est sur cette même base que le coach compte continuer. Donc, beaucoup de ces convocations, ce n'est même pas pour jouer. Et Sékou Koïta, il ne va pas jouer même 10 minutes dans ce regroupement. Mais il vient, c'est parce pas, que... Oui, mais non, logiquement, il est pas, il est court physiquement. D'accord, physiquement. Ok. Voilà.
Non, je vais finir de m'exprimer, je vais finir de donner mon point de vue. Donc, oui. Beaucoup de ça, là, en fait, c'est une prise de contact aussi avec les cadres de la sélection. Donc, il faut aller au-delà de la forme. Il faut voir aussi que c'est quelqu'un qui est en train de prendre la température avec son groupe. Donc, ça, c'est important à signaler. Non, voilà. Ibrahim, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Merci. Oui, Soule, bonsoir. Soule, moi, je peux dire que l'entraîneur... Oui. L'entraîneur en disant qu'il maîtrise l'équipe nationale, c'est juste pour défendre cette liste. Sinon, quand il maîtrise très bien l'équipe nationale. Il y a des joueurs ici comme Sekou Keïta, Moussa Djenepou. Il n'allait pas les convoquer. Ça, c'est très clair. Des joueurs qui n'ont même pas de temps de jeu. Sekou Keïta, après 6 mois ou 7 mois, le joueur était blessé. À peu près 10 mois. Voilà, il n'a joué que 2 minutes. 2 minutes, tu le convoques. Même si c'est pour prendre la température, mais c'est pour jouer aussi deux matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, je peux dire qu'il a assumé la liste, mais il ne maîtrise pas beaucoup tous les joueurs maliens qui évoluent en Europe. Merci, Abdoul. Alors, Dri, rebonsoir à toi. Tu viens de nous rejoindre, même si tu es en retard. Je ne veux pas dire, Drissa, légèrement. Bonsoir. Alors, tu nous as écouté beaucoup sur la liste et la venue du sélectionneur. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses globalement? Alors, bon, moi, d'abord, premièrement, je pense que dans l'ensemble, et quand vous regardez l'architecture et l'agenda même des joueurs maliens en globalité, et on peut pas faire mieux, on peut faire mieux, mais la majorité de ces joueurs vont revenir. Maintenant, là où il pose vraiment problème, c'est que au niveau du secteur offensif, qui est également donné comme le maillon faible également de l'équipe, on n'a pas assez d'éléments. Quand je dis on n'a pas assez d'éléments, parce que vous l'avez évoqué, le retour de Moussa Djenepo et Sou Keïta. Et Moussa Djenepo qui est là, donc on a vu, il n'a disputé que 11 matchs depuis le début de la saison et il n'a joué aucune minute depuis la fin des barrages sur 37 matchs possibles en championnat. Vous voyez, et Sekou Keïta, il a fait maintenant, il y a d'autres joueurs, moi je pense, et comme Ousseini Diabaté qui a son actif 6 buts en 14 matchs. Exactement. Demba Diallo qui a également. C'est vrai, il n'a marqué que 2 buts, mais il a quand même 28 matchs dans les jambes. Ou encore Lene Bitra d'Orgilos. Maintenant, la différence entre Djenepo et Sekou Keïta et ces trois-là, c'est que ce sont des anciens, ils sont habitués à jouer ensemble puisque c'est un nouveau joueur. Là, on peut comprendre. Maintenant, quand vous regardez la liste, je pense que comme Ibrahim vient de le dire, 11 joueurs, 11 meilleurs joueurs, on peut l'avoir dans cette liste. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qui et qui pourront jouer, surtout au niveau du secteur offensif, pour apporter un plus. Là-bas également, ça va se jouer entre Moussa Djenepo et Sekou Keïta, qui n'ont pas assez de temps de jeu. Et là, s'il se trouve que vous êtes mené dans un match, forcément, vous allez terminer avec Ablaye Diaby et Adama Traoré Malouda, comme votre ailier. Je pense que quand vous regardez les équipes, c'est au niveau du secteur offensif et la convocation de ces deux joueurs qui pose également un peu de problème. Maintenant, quand vous regardez même au niveau des attaquants, il a appelé à peu près 3 ou 4 joueurs qui ont le même profil. Bon, je peux tromper 3 joueurs, Khalifa, El Bilal Touré, Amirou Sinaïgo, ont tous le même profil. Maintenant, Amirou également, il était blessé, il est de retour. Et quand vous regardez les matchs du Djoliba, il est revenu le 10 avril dernier, en Coupe du Mali contre la Zouane, il a marqué un but. Et lors des huit derniers matchs du Djoliba, et sur les 14 buts marqués par le Djoliba AC, il a marqué 7 buts. Donc la moitié du but du Djoliba. Maintenant, c'est vrai, il y a le jeune Moussa Kone qui est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. Mais lui, il n'a pas marqué depuis la 17e journée du championnat. Aujourd'hui, on est à la 20,
cinquième, si je ne me trompe pas, Soulé. 25e. Voilà, il a 25 matchs, 24 matchs dans les jambes, 10 buts, Drissa. Non, c'est 24, non. Et les deux premières journées du championnat, il n'a pas joué, d'après son entraîneur direct. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais aimé également qu'il soit convoqué, du fait seulement qu'il soit le meilleur buteur actuellement du championnat. Là, ça peut encourager les autres aussi à marquer plus. Si ce n'est pas lui, il faut également que ce soit le deuxième, qui est Karthik Dembélé, qui joue également avec l'AS Bakar Gand de Bordeaux. Sinon, moi, globalement, je n'ai pas vu autre chose, à l'exception de Sékou Keïta et Moussa Dianepo, qui, à mon avis, vont manquer de rythme. Et sauf à l'entraînement ou avec l'intensité de jeu promis par Eric Tchel, lors des entraînements, il peut retrouver des sensations et marquer. Maintenant, il ne faut pas oublier Moussa Dianepo. Même quand il ne jouait pas avec Southampton, comme on recevait les César à peine, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il a fait des choses positives. Il faut pas jeter, comme on le dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai, il a un manque de rythme aujourd'hui, mais on est quand même, il ne faut pas oublier également, dans un passé récent, ils sont parvenus à manager Adama Traoré Malouda, qui ne jouait même pas avec Metz et l'US Orléans, mais qui revenait en équipe nationale et qui était également le meilleur buteur de l'équipe nationale. Voilà, donc ce sont ces effets positifs qu'on peut également garder, même si c'est vrai, Sékou Keïta et Moussa Dianepo manquent de rythme aujourd'hui. Drissa, je vais revenir sur ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans les critères de sélection. Le temps de jeu, c'est pas une variable absolue hein, dans la sélection d'un joueur. Parce que déjà, tous les joueurs n'évoluent pas au même niveau. Tu vas dire qu'il y a Eduardo Camavinga qui est au Real Madrid, qui n'est pas un titulaire absolu, mais s'il est malien, tu vas me dire qu'on va pas le faire jouer parce qu'on a un joueur qui joue, à Lorient ou au FC Bruges en Belgique qui est titulaire 100%. Non, c'est pas possible parce qu'il y a quelqu'un qui évolue au Real Madrid, qui est quelqu'un qui évolue dans un championnat de différents niveaux. Et la vérité aussi, c'est quoi? C'est que ces personnes qui évoluent au Real Madrid s'entraîne avec Karim Benzema et s'entraîne avec des joueurs de gros calibre. Lui, son entraînement a un niveau qui est plus élevé qu'un joueur qui est titulaire en national. Hein. Donc, quelque part, c'est une notion qui est variable, hein, le temps de jeu. Ensuite, au-delà de ça, ben, y a ton rendement en équipe nationale. Tu peux être un très bon joueur dans ton club, mais tu ne marques pas et tu ne fais pas la différence en équipe nationale. Comme Drissa l'a rappelé, il y a eu Malouda. Quand Malouda ne jouait pas en club, il était le meilleur joueur en équipe nationale du Mali. Mais maintenant qu'il joue en club, il est transparent en équipe nationale du Mali. Il fait des dribbles inutiles. Mais au moment où il était un joker de luxe au Mali, là, qu'il n'avait pas de temps de jeu en club, quand il venait en équipe nationale, ben, il faisait la différence à chaque match. Donc, quelque part, il faut voir ce rendement-là. Et aussi, moi, je pense que Sékou Keïta, moi, je n'étais pas pour sa sélection. Mais qu'on se dise la vérité, Sékou Keïta, c'est un joueur important de l'équipe nationale du Mali. Et c'est un joueur qui, malgré le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de sélection, les rares qu'il a, il a été un buteur régulier avec les Aigles du Mali. Donc, au-delà du temps de jeu qu'ils vont avoir, parce que je pense que Eric Schell a bien rappelé qu'il y a des joueurs, il les amène par rapport à leur profil, sachant qu'ils n'ont pas le rythme pour jouer titulaire. Donc, mais ils peuvent lui donner 10 minutes, 15 minutes et faire la différence pour lui. Sékou Keïta, c'est un joueur, c'est l'avenir de l'attaque du Mali. À moins qu'il ait un problème physique, c'est un joueur sur lequel le Mali va compter à l'avenir. Donc, il est important pour un premier regroupement, pour un entraîneur, d'appeler les cadres de l'équipe. Parce que ces joueurs-là dont on parle comme ça, c'est nos cadres. Hein. Les Moussa Dianepo, les Amadou Aïdara, ce sont les cadres de l'équipe nationale du Mali. C'est des joueurs qui vont être là 10 ans en sélection. Donc, si tu as un nouvel entraîneur, travaille avec tes joueurs. Tu n'as pas besoin de les faire jouer, mais tu as besoin qu'ils soient là et qu'ils comprennent comment tu veux travailler. Et une autre chose, c'est que je pense qu'il faut donner un peu de temps aux sélectionneurs. Aujourd'hui, il y a une équipe qui tourne. Je pense que déjà, c'était notre point de vue par rapport à la liste. Mais Eric Schell, aujourd'hui, on ne va pas le juger sur ça. On va le juger sur les résultats. Nous, on est d'accord avec vous, avec ces critères-là. Le Mali ne cherche pas d'équipe. Le Mali ne cherche pas une équipe. On a déjà une équipe. On a besoin de la faire progresser.
Donc aujourd'hui, non. Lui. Ibrahim, je pense qu'on a des joueurs, mais on n'a pas une équipe. On a des bons joueurs, mais on a. Non, on n'a pas une équipe. On a des bons joueurs. Pourquoi est-ce qu'on a une équipe? Une équipe qui conquête 6 buts, 7 buts par match n'est pas une équipe. C'est ce que le Mali a avec en Marrakech. Mais contre qui? Contre quelle équipe? Voilà. Contre quelle nation? Avant, on était une équipe. Abdoula, une minute. Ibrahim a raison de dire qu'on a une équipe. Ibrahim a raison de dire qu'on a une équipe. Je vais te dire pourquoi. Vous allez comprendre maintenant. C'est-à-dire qu'une équipe, c'est pas... C'est juste... Vous avez une continuité. Vous avez un bloc qui a été mis en place. Avec des cadres qui sont là au niveau de cette équipe-là. C'est-à-dire que l'équipe tourne autour de ces cadres-là. Donc, tant qu'il n'y avait pas ce noyau central, on peut dire qu'il n'y a pas une équipe. Mais tant que ce noyau existe, il y a une équipe. Mais maintenant, comment faire, c'est-à-dire pour faire progresser cette équipe, c'est ce qu'il faut chercher à faire. Sinon, dire que le Mali n'est pas une équipe, on a des joueurs. Non, on a une équipe. Parce que l'équipe est basée sur un noyau. Et que le noyau là est là. Donc cela veut dire qu'il y a une équipe qui est construite. Mais ça veut dire la progression. C'est la progression de cette équipe qui est lente, qui n'arrive pas à être progressée. Donc comment faire ça dire pour le Dico, faire Dico, quel est le noyau de la sélection malienne? Mais le noyau de la sélection malienne, tout le monde le connaît. L'équipe tourne autour de qui? L'équipe tourne autour de... Il y a Amari qui est là. Il y a les Falaï Sako, les Kiki. Hein? Les Massadio, comment on appelle, le Aïdara au niveau du milieu, Doudou Aïdara, les Samasekou, et Yves Bissouma et autres. Cela veut dire qu'il y a un noyau qui est là. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas mettre ce noyau-là dans le puits. Il faut le faire ressortir. Maintenant, comment faire pour que ça se marine? C'est ce que je disais l'autre jour. Il y a une équipe qui est là, mais il faut une progression. C'est la progression de cette équipe-là qui est lente, qui a été lente. C'est-à-dire que l'équipe n'a pas pu être progressée par rapport au staff précédent. Mais maintenant, il faut amener des nouvelles idéologies pour pouvoir le développer. C'est clair. Maintenant, Souley, oui. je te rejoins un truc. Par rapport à la sélection qui a été faite, il y a des hic qui sont là-dedans. Maintenant, moi, je ne dirais pas, on ne peut pas, comme tu viens de le dire, personne ne peut juger le coach par rapport à ça. Mais il faut dire à la fédération que quand un coach n'est pas là, c'est à la direction technique d'assumer sa responsabilité. Non, j'allais y revenir même. Voilà. Exactement. Et vous voyez, ça c'est à la direction technique d'assumer sa responsabilité par rapport aux joueurs sélectionnés ou autres. Tiens, d'autres quoi, c'est vous qui devrez mettre le coach. Vous devrez avoir une relation avec le coach, mettre le coach dans cette œuvre. Vous lui dites tel ou tel joueur est bon, tel ou tel joueur ne peut pas être sélectionné. Dis-moi, tu es un sélectionneur, tu es un entraîneur, oui. tu vas pas aller par 4 semaines. Nous, on va dire qu'aujourd'hui, il faut un changement à la direction technique. Il faut le dire. Bon, toi, tu ne veux pas, tu vas pas le dire parce que tu es un entraîneur. Drissa, tu peux le dire. Un changement au niveau du GPN. C'est tout ça. Non, donc, vous voulez le renvoyer deux fois, quoi. Vous voulez le licencier deux fois, quoi. Allez, bon. Vous voulez un double licenciement, quoi. Non, mais Ibrahim, regarde, écoute ce que Dico a dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dico, tu m'excuses, je vais appuyer un peu ce que tu viens de dire. Si on n'est pas dans l'amateurisme, depuis que le sélectionneur Eric Sekouchel informe la fédération, j'ai des problèmes, j'ai des petits soucis aujourd'hui. Administrative, je ne pourrai pas être là. C'est sûr qu'il a informé la fédération qu'il ne pourrait pas être là. Mais aujourd'hui, si on a une fédération responsable, on a une direction technique qui travaille comme il le faut, on n'aura pas de problème de sélection aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, l'entraîneur allait être là, le sélectionneur allait être là. Voilà, voilà. Moi, sincèrement, j'étais malade, je ne me portais pas bien, mais j'ai parlé avec certains joueurs. Parce qu'il a dit, il a parlé avec Doucouré qui ne se sent pas bien. Et l'autre, Cheikh Doucouré qui a décidé aujourd'hui de se consacrer un peu avec son club. Il a parlé avec certains d'entre eux. Mais si on avait une direction technique aujourd'hui qui était là, voilà, cette direction technique allait faire le boulot à sa place. Mais attends, qui est le directeur technique aujourd'hui? Et sincèrement parlé, Ibrahim, je ne vais pas mentir à ceux qui nous suivent aujourd'hui sur Africa Sport 24. Moi, je ne le sais pas qui est l'actuel directeur technique de la Fédération malienne de football. Je dirais tout simplement que l'intérim qui est assuré, je crois, par l'ancien sélectionneur, je crois que c'est lui qui détient toujours la décision. Peut-être qu'il se peut que je me trompe, mais il est intérimaire.
Vous savez, une fédération, quand on parle d'une fédération, le travail d'une fédération même, c'est quoi? Le travail même est basé sur la direction technique. C'est la direction technique qui joue son rôle. Mais tant qu'une direction technique ne joue pas son rôle, ça veut dire qu'il n'y a pas de fédération. Qu'on soit clair là-dessus. Le rôle même d'une direction technique, c'est quoi? C'est le suivi et l'évaluation des différents jeunes au niveau des équipes nationales et au niveau de leur club. C'est ça. Là, si vous le suivez, au moins, on aura, ça veut dire que une liste qui est carrément là, qui est établie, avec laquelle le coach peut travailler. Mais de ce fait, notre fédération, ça veut dire notre direction technique, ne suit même pas les joueurs. Ils ne savent pas, et ça veut dire que quelle est leur évolution. Qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. Moi, j'ai parlé, à l'époque, il y a une année ou deux ans, j'ai parlé avec un membre de la fédération que je vais taire son nom, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, mais est-ce que ces gens-là connaissent le football? Est-ce qu'ils sont venus pour faire avancer le football? Je lui ai dit, bon, voilà, il y a un joueur qui évolue dans ce pays-là. Je vais taire son nom, parce que ce joueur actuellement avec l'équipe nationale. Il joue, il est titulaire, il est bon joueur. Je lui ai dit, bon, nous, on ne le connaît pas, hein, on ne sait pas, c'est toi qui viens de nous informer, on ne le sait pas. Donc maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une liste préétablie au niveau de la direction technique qui sait aujourd'hui? Le Mali a 100, 200, 300 joueurs aujourd'hui qui évoluent hors du continent. Moi, c'est la question que je me pose. Et s'il y a cette liste, quel est le suivi qui est effectué au niveau de la direction technique du Mali? C'est la question que je me pose. C'est un mystère. Drissa Nyono, je vais te demander la parole à Drissa. Non, Drissa, tu as dit qu'il y a un intérimaire. Qui est l'intérimaire aujourd'hui à la direction technique nationale? Drissa, excuse-moi. Donne-moi une minute. Non, Dico, laissez Drissa expliquer parce que c'est très très important qu'on comprenne. Moi, je veux comprendre une chose, Drissa. Donc, Marasouba a été licencié de son poste d'entraîneur national et aujourd'hui, il est intérimaire au poste de directeur technique national. Comment est-ce que cela est possible? Parce qu'on sait bien qu'il y a un conflit d'intérêts. Lui, il a été. Exactement. Vient d'être comment est-ce qu'on gère cette situation? Au niveau de la direction technique nationale, Marasouba, quand il a choisi le poste de sélectionneur national, après, ils ont demandé à ce que la direction technique soit appuyée par une autre direction, cette fois-ci envisagée du côté de la FIFA et de la France. C'est pourquoi ils sont venus avec le programme de soutien technique PST. Avec Malick Boulegroun. Malick Boulegroun. Qui est venu et qui est reparti bredouille. Drissa, une seconde. Qui est venu au Mali, il est reparti bredouille. Non, lui, il s'occupait du football féminin. Quel football féminin? Non, Drissa, vas-y. Donc, ils ont mis en place un comité restreint où Marasouba, directeur technique national par intérim, Malick Boulegroun, le chargé du programme soutien technique, et le président de la fédération lui-même préside ce comité. Donc, c'est ça qui est en place et qui dirige et qui supplante aujourd'hui la direction technique nationale. Parce que quand Marasouba était détenu, il avait deux adjoints, Ousmane Guindo et Issa Kolon Koulibaly. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'eux ils font pour les autres. C'est pourquoi. Et tous les jours, lors de la dernière assemblée des entraîneurs, on était là-bas. Ils ont dit qu'il manque de formation. Quand les DTN disent eux-mêmes qu'il manque de formation, ça veut dire qu'il n'existait pas et il y a quelque chose qui les manquait. Et aujourd'hui, c'est ce programme présidé presque par le président de la fédération qui tient aujourd'hui comme DTN. Et Malick, aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Parce que moi, d'habitude, il est rentré au pays. Malick est rentré. Voilà. Donc, il avait un contrat d'une année. Oui, il avait un contrat d'une année, renouvelable une fois en cas de besoin. Est-ce que son contrat est terminé? C'est ça la question. Parce que ce qui va être annoncé, c'est qu'il avait une année et renouvelable une fois dans le cadre d'un programme financé par la FIFA et la Fédération française de football. Ibrahim. Drissa Nyoro, quand moi je t'amène pour travailler pour Africa Sport 24, je te dis Drissa, tu viens, tu vas faire les émissions. Mais quand tu viens, je te dis bon, je te laisse pas faire les émissions, je te mets à la technique, tu restes à la régie, tu travailles là-bas par tâtonnement. Quand les une année vont passer,
si réellement tu es ambitieux, tu veux faire ton travail, tu veux développer le football, que tu n'arrives pas à le faire, tu vas partir. Donc, son contrat, c'était une année, c'est terminé, il est rentré chez lui. Il est venu, il a accompagné l'équipe nationale féminine avec Soumaïla Diakité au niveau de la Guinée. Il a travaillé un peu là-bas avec eux. À un moment donné, il était avec l'équipe féminine. Oui. Voilà, il partait souvent au stade. Moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai vu à chaque fois avec Yélé au stade. Je l'ai parlé face à face, de bouche à oreille. J'ai dit, mais Malik, vous êtes là, vous êtes venu pour un travail. Pourquoi vous ne, on ne voit pas votre main, on ne voit pas votre touche et vous ne travaillez pas? Il m'a regardé ce jour, on était au terrain d'entraînement du Binga FC qui préparait l'édition présidente de la Coupe de la Confédération. Il m'a regardé et dit, mais je suis venu pour travailler, j'ai fait mes programmes, j'ai déposé, j'ai donné à qui des droits, mais j'attends des réponses. Jusqu'à présent, j'ai reçu aucune réponse. Voilà ce qu'il m'a dit ce jour-là. Voilà. Donc, il venait pour un travail, il n'a pas pu exécuter son travail, il est rentré. Point. Donc, voilà, moi, je le comme amis, l'a dit. On va évoluer sur le sujet, quoi. On va évoluer sur le sujet parce que ce n'est pas le thème du jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est troublant, hein, cette affaire-là, d'une fédération qui dit vouloir faire avancer le football malien, mais qui n'arrive toujours pas à mettre, à en fait, trouver, mettre en place un poste aussi important. Donc, ça mérite même une émission spéciale, ça, cette affaire de direction technique nationale. Mais bref, comme aujourd'hui, on doit parler des matchs à venir, on va rapidement avancer hein, parce que l'émission, on s'y tire vers sa fin. Coach Dico, on a entendu Eric Sékouchel aujourd'hui parler de changer un peu le système de jeu du Mali. Bon, on sait qu'il a déjà dit qu'il va tromper ses adversaires. Donc, il a annoncé un 4-4-2 losange, mais ça, bon, c'est peut-être pas sûr qu'il va le faire. Hein. Mais ce qui est certain, donc, c'est quelqu'un qui compte, donc, comme il a dit, remettre de l'intensité dans cette équipe nationale et changer donc, notre approche tactique des matchs. Comment toi, tu vois donc cette nouvelle équipe nationale? Quel changement tactique, toi, tu t'attends à voir au niveau des aînés du Mali? Bon. Je m'attends quand même à avoir de l'intensité dans le jeu, comme il vient de le dire. C'est-à-dire qu'au niveau des apports offensifs, avec la montée des latéraux, et comme je vous l'avais dit depuis pas longtemps, la montée des latéraux, et au niveau du milieu de terrain, il y aura une rotation, ça c'est clair. Il y aura une rotation au niveau du milieu de terrain et que nos excentrés seront des excentrés qui vont pénétrer à l'intérieur de la surface. Comme on ne l'a pas pu le faire auparavant avec l'ex-sélectionneur, c'est-à-dire que nous avons des couloirs qui étaient fixés et qui ne rentraient pas à l'intérieur du jeu, quoi. Qui n'apportent pas d'appui et de soutien et pour l'attaquant principal qui est là. Donc cela veut dire qu'actuellement, avec le football moderne, lorsqu'on voit actuellement ce qui se passe, cela veut dire que nous aurons des couloirs qui seront des couloirs pénétrants. Vous allez voir aussi qu'il y aura, comme je vous l'ai dit, à part la rotation, vous allez avoir des milieux qui vont aussi essayer de projeter à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, comme il l'a dit, on a déjà un noyau de trucs qui est là, cela veut dire la possession de balle. Donc, avec cette possession-là, pour moi, avec Magasoba, c'était une possession stérile. Maintenant, avec Eric Sékouchel, je crois que ça sera, il va essayer de voir comment il va rendre ça plus rapide. Plus rapide avec les décrochages au niveau de l'intérieur du jeu et au niveau des couloirs. Et si vous voyez, donc je crois que ça sera une circulation à l'intérieur, que ça soit devant ou bien de prendre appui sur, comme on appelle, les défenseurs centraux pour essayer de changer de couloir et de partir encore en attaque. Ça sera ce jour-là que moi, je crois qu'il va apporter au niveau du système tactique. Merci. Maintenant, quand on parle de 4-4-2 ou 4-3-3 ou autre chose, cela dépendra des joueurs qui aura sa position. Voilà. Merci, coach Dico. Drissa Nyono, rapidement, avant qu'on conclue, le match donc amical avec l'Équateur a été annulé pour le Mali. Mais en interne, là-bas, est-ce qu'il est probable que le Mali joue d'autres matchs après nos matchs de qualification? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une Coupe du Monde cette année, il y a l'opportunité donc d'affronter pas mal d'équipes d'autres confédérations. Et c'est ce match-là, en fait, qui booste beaucoup le classement FIFA des équipes. Et on l'a vu, notre élimination, ça a été dû aussi à ça. Ibrahim, vous savez que il y a quelque chose d'extraordinaire quand même, hein, parce qu'il y a le message de Rasbi Kelly Kelekele là. Quand vous le lisez, il a effectivement raison. C'est Abdel Jabid d'Al Jazeera qui avait été annoncé lors de la conférence de presse. Mais après, son nom ne figure pas sur une seconde liste. Il y a également actuellement Ibrahima Sissoko qui est rappelé
Est-ce que vous avez fait cette remarque d'abord? Quoi? Non, on a... Ah oui, il y a eu un changement de liste. Il y a eu un changement, un changement de liste. Ça, c'est une, moi, c'est pas une nouvelle. Là. Moi, je ne suis pas au courant. Qui a été appelé? Il y a changement de liste parce qu'il y a Ibrahim, il y a Ablaye Diaby qui a été annoncé lors de la conférence de presse. Oui. Aujourd'hui, lors de la dernière liste qui est publiée sur le site de la fédération, je viens de le remarquer, sur le site, Ablaye Diaby ne figure pas, c'est plutôt Ibrahima Sissoko qui est là. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que c'est pas une erreur? Non, parce que... quelle est la vérité? Non, Soulé. J'ai demandé est-ce que oui. Je vais appuyer ce que Driss vient de dire. Parce que sur le groupe AGSM, j'ai vu la liste est rectifiée. Je croyais qu'ils avaient changé juste le nom du pays maintenant de Amidou Sinayogo. Parce que là-bas, c'était Joliba écrit France. On a publié une liste sur le groupe AGSM que la liste est rectifiée. C'est ce qu'on a dit. Mais moi, je n'ai pas téléchargé le fichier pour voir s'il y a eu des changements. Bon, sinon, c'est Ibrahim, bien écrit. Joliba France, je croyais que c'était cette partie. Joliba France, je croyais que c'était cette partie. Sinon, on a mis une liste sur le groupe AGSM pour dire que la liste est rectifiée. Quand même, on a mis une liste sur... C'est le groupe WhatsApp AGSM. Moi, je pense que c'est un peu incroyable. Je vais dire une chose, c'est que aujourd'hui, voilà, il y a quand même, on va dire qu'il y a eu, il y a un community manager maintenant qui gère les pages de la fédération. Je pense que quand il y a des changements comme ça, ça mérite une publication spéciale. Disons que la liste est modifiée. Non, je crois que demain on doit revenir. Je crois que demain on doit revenir pour parler maintenant de ça. Déjà, il est déjà l'heure. Mais demain, Ibrahim, il faut prévoir une émission spéciale pour ça. Le problème de communication au niveau de la FEMAF et le problème de donner l'information. Tu viens de le dire, s'il y a un tel changement, vous publiez ça à part, vous mettez, voilà, c'est vrai, il y avait le nom de Ablaye Diaby sur la feuille qui a été dite par le sélectionneur. Mais c'était une erreur, c'est un exemple que je disais, c'était une erreur. Voilà, c'est Ibrahim Sissoko qui a été rappelé. Mais vous rectifiez la liste en même temps en donnant, maintenant une nouvelle liste que peut-être, c'est Drissa qui vient de le dire, mais il y a d'autres qui sont déjà aujourd'hui, nous on a l'information aujourd'hui sur Africa Sport 24 que ça a été modifié, mais ceux qui n'ont pas accès à cela, après quand ils vont voir l'autre dans avec la sélection, donc c'est compliqué. Avec des précisions, donc c'est un peu compliqué. Donc cette communication, vraiment, c'est très, 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 très compliqué. C'est ça. Non, donc Cela veut dire tout simplement que ce qu'on avait dit au début par rapport à la liste qui a été faite, nous avons dit que, on a posé une question, est-ce que c'est le sélectionneur qui a fait cette liste? Donc cela revient à ce que nous venons de dire au début. C'est juste ça. C'est mystérieux, en tout cas. Je reste étonné. Et je mets ça au conditionnel. Moi, je ne pense pas que c'est le sélectionneur qui a fait cette liste. Parce que Abdoul a dit quelque chose qui est de très important. Amidou Sinayogo, il le connaît où? Pour le sélectionner. La question reste posée. Donc, je reste là. Mais bref, moi, pour terminer, voilà, je suis sûr que tu ne vas pas revenir sur moi. Moi, j'aimerais dire seulement le Congo, il faut prendre cette équipe très, très sérieux. Parce que le Mali a toujours des difficultés avec le Congo. Surtout, eux, déjà, ils ont commencé déjà les préparatifs avec les joueurs qui évoluent à domicile. Donc après, ils vont aller faire un stage bloqué au niveau du Maroc. C'est du Maroc maintenant qu'ils vont rallier Bamako pour jouer ce match le 4 juin ici, au stade du 26 mars. Mais comme Chel l'a dit, le recrutement des aigles aussi, voilà, il dit qu'il voulait le plus tôt possible, mais c'est sûr que les joueurs vont commencer à venir le 30 mai, voilà, dans quelques jours, le 30 mai, voilà, pour leur première convocation. Et pour la première fois aussi, ils vont loger dans un hôtel sur place, au lieu d'aller à Kabbalah. Donc, ils vont faire des navettes maintenant, en aller-retour entre Kabbalah et l'hôtel maintenant pour s'entraîner. Voilà, donc c'est un peu ça l'information que je voulais donner. Merci, Soulé. Soulé, même si le Congo fait un stage sur la Lune, on va les battre à Bamako. Ils ne vont pas échapper aux aigles. Mais Ibrahim, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, ça c'est le cœur qui parle, je suis d'accord. Mais il faut te préparer. Moi, c'est ce que je te dis. Non, on sera prêt. Les aigles seront prêts. Il faut te préparer. C'est très important.
Drissa, avec ces informations-là. Non, Drissa nous a choqués. Mais Drissa, donc, moi, ma question, en fait, c'est avant de laisser l'antenne, hein, parce qu'il se fait tard. Drissa, est-ce que le Mali peut faire d'autres matchs amicaux? Est-ce que tu as entendu une solution par rapport à ça? Parce que c'était intéressant pour nous d'affronter des équipes mondialistes. Est-ce qu'on aura l'opportunité après ces deux matchs ou ce n'est plus à l'ordre du jour carrément? Non, pour le moment, ce n'est plus à l'ordre du jour. Vous savez que c'est la fédération même qui a adressé un courrier à la fédération équatorienne de football pour lui expliquer comme le fait que la CAF a changé la date de la rencontre contre le Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud avait sollicité l'Égypte pour jouer au stade Al-Salam. Et après, bon, sa requête a été, n'a pas été approuvée par les Égyptiens. C'est pourquoi le Soudan s'est rabattu sur Kampala. Donc, finalement, il y a l'Ouganda qui joue le 8. Donc, les deux matchs ne peuvent pas se jouer sur le même terrain, le même jour. Et le match du Soudan du Sud a été réuni au lendemain. Et donc, le Soudan du Sud va accueillir le Mali le 9. Et le Mali, en quittant Kampala le 9, n'aura pas même une seule journée d'entraînement. Parce que le 9, vous quittez Kampala, vous ne savez pas à quelle heure vous devrez arriver aux États-Unis. Et ensuite avoir le 11, c'est un match amical. Donc, pour le moment, quand même. Ibrahim, faut nous donner l'itinéraire du vol Kampala-États-Unis. Ça, ça va être long, hein, parce que s'ils quittent à Kampala, d'Amérique, déjà, ils vont jouer à Hartford. Hartford, c'est au Connecticut, j'ai été. C'est une ville dans laquelle j'ai été plusieurs fois. Il n'y a pas un vol direct, donc ils vont aller forcément à New York, même s'ils arrivent aux États-Unis. Et c'est à peu près à 150 km de New York, Hartford. Donc, ils vont prendre le bus pour aller là-bas, je pense. Ou même s'ils prennent un vol, donc, c'est un peu loin. C'est un long voyage, c'est rapidement. C'est en raison de tout ça là que bon, voilà, le match amical a été annulé. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres informations. Voilà. Donc, sur ce, on va remercier un peu, on va remercier même pas un peu beaucoup l'audience hein, pour leur mobilisation. On les remercie d'être venus. Comme on l'a dit, il faut partager nos vidéos. Hein, faites connaître partagez la chaîne. Partagez les mobiliser. Vidéos, mettez les cœurs. Partagez, voilà, mettez les cœurs. Voilà. Likez. Ibrahim, on dit « Aouéa partager ». Il faut voilà, dire partager. Comme ça. Aouéa partager. Partager. Voilà. Partager, faites venir du monde. C'est vraiment un plateau qu'on a mis en place pour vous. Hein. On fait venir les journalistes, on fait venir les joueurs. Soulé, on a un autre de tes protégés encore, hein, Tchemuro Diarra, qu'on va avoir dimanche sur le plateau. Hein, parce que tu as été leur entraîneur, hein, Soulé. On va être tes enfants, hein, c'est tes protégés. Ça, c'est jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, tu es leur entraîneur. Non, Ibrahim, je prends ça comme des compliments. Voilà, c'est mes jeunes frères. Voilà, je suis très content quand je les invite aussi qui viennent. Quand Africa Sport les invite qui viennent sur nos plateaux. Et Inch'Allah, dimanche, et Tchemuro, un joueur, un ailier de Reims, voilà, il sera là avec nous. On va en débattre, voilà, parler un peu de lui, de sa jeune carrière et de ses débuts. Voilà, on va parler beaucoup de lui aussi. Inch'Allah, donc on restera ensemble jusqu'au dimanche. Et après, voilà, ce plateau aussi, c'est fait aussi pour tous les dirigeants sportifs, hein, voilà, pour tout le monde, que ce soit des baskets, du ledi, le rugby, voilà, l'handball, tout. Voilà, donc tout le monde est la bienvenue sur Africa Sport 24. Ah, bon, Ibrahim nous dit qu'on prend le tiers, le second de tiers, non. Il y a partagé, il n'y a pas de problème. C'est ça, donc on va partager. C'est ça qui nous donne sens. On va dire, Abdoulaye, pour la conclusion, oui. Oui, j'aimerais aussi inviter aussi nos auditeurs maintenant. Souvent, s'ils ont des sujets, de nous proposer des sujets, nous allons voir maintenant ce qu'on peut faire. Déjà, nous, on a un programme. Déjà, s'ils ont aussi des propositions à nous faire, nous sommes là aussi pour eux. Les propositions aussi seront les bienvenues. Parce que ça va nous permettre aussi d'améliorer l'émission. Un plateau ouvert pour les matchs, hein, pour l'analyse des matchs, ou le débriefing des matchs, c'est quelque chose qu'on va envisager. Vous pouvez venir aussi intervenir directement sur le plateau. Beaucoup de choses qu'on compte faire, mais en tout cas, on a besoin donc de votre soutien et de votre force. C'est ce qui nous aide à avancer. Donc, sur ce, on va vous remercier une nouvelle fois. Remercier les intervenants hein, qui étaient de très, très belle qualité. Et on se donne rendez-vous donc dimanche, 21h heure de Bamako,
avec 20h heure de Bamako. 20h de Bamako. Avec le Neymar malien, donc Tchemouro Diarra qui est à Reims et qui va venir nous présenter aussi son parcours. Donc bonne soirée à tous. Merci. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Soule Koulibaly et Ibrahima Tungara. Avec Africa Sport 24,